Voici la troisième étape régionale des rencontres du développement durable 2022 ici en Loire-Atlantique à Nantes, à Audencia, sur un thème extrêmement complexe, comment conjuguer la transition écologique et la transition numérique, digitalisée et transitée, on en a parlé toute la journée. Utilisons la science, la technologie, la recherche, la formation pour faire que le développement durable y soit conjugué avec le respect de la planète, le respect de la biodiversité et le respect des droits humains. Il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de respect, aujourd'hui, des droits absolument essentiels. Le numérique, ce n'est pas uniquement notre iPhone ou un site web, c'est surtout l'utilisation finalement des mathématiques, de l'informatique, de logiciels pour piloter, par exemple, si on veut piloter une consommation domestique, si on veut piloter plus finement les mobilités urbaines pour économiser l'énergie, si on veut décarboner l'industrie, eh bien, le numérique, l'informatique, la robotique sera partout. C'est quoi pour une entreprise d'être RSE ou ESR? Si c'est juste la compliance, comme on dit, la conformité à un rapport, c'est déjà bien, ça fait prendre conscience, mais ce n'est pas transformant. Or, on est là, pour réussir, il faut transformer les entreprises. Elles ont besoin des fournisseurs, des clients, des consommateurs, des jeunes, de l'opinion publique et de l'ensemble de la société civile. Le monde doit faire face à 6 enjeux majeurs pour l'atteindre des objectifs de développement durable et le numérique est un de ces enjeux. En effet, plus de la moitié de la population n'a pas accès à Internet et il serait donc illusoire de croire que nous pourrons atteindre les objectifs de développement durable en laissant une partie de l'humanité en dehors des technologies de l'information et de la communication. Alors les questions du développement durable à Audencia, on les adresse depuis une vingtaine d'années. Ce sont des thématiques que l'on a intégrées à nos enseignements depuis déjà longtemps, avec aujourd'hui une accélération qui s'est amplifiée, notamment avec la création de l'école Gaïa. Donc nous souhaitons former des futurs professionnels ayant toutes les clés pour faciliter la transition, pour vivre cette transition et pour qu'ils soient des professionnels responsables. Pour moi, la question écologique, elle a une place centrale, aussi bien dans ma vie personnelle et dans mes valeurs et dans comment je me comporte au quotidien que dans mon projet professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter dans un parcours qui sera orienté autour de la RSE. Les outils de gestion qui existent aujourd'hui sont basés sur l'hypothèse que la ressource en eau est disponible de manière illimitée. Aujourd'hui, cette hypothèse n'a plus lieu d'être et donc on va fournir des outils numériques qui vont dans un premier temps collecter de l'information pour construire une base de connaissances. Et après, on est capable de mieux anticiper. Mais sans cette connaissance, rien n'est possible.